Monsieur le conseiller d'État, monsieur le vice-président, monsieur le doyen, mesdames, messieurs, messieurs les professeurs, car je crois que vous êtes nombreux parmi cette assemblée à être professeurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de Mémoire Informatique, notre fondation. Vous êtes venus nombreux ce soir pour cette inauguration, je vous en remercie. Vous savez peut-être que nous avons un programme très chargé, certains l'ont reçu sur leur chaise. Nous avons un panel de choix et ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons mené une enquête incroyable avec un chef détective et que hier, on était persuadés qu'on avait tout fini et que notre enquête était terminée. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On a eu brusquement un coup de théâtre, un fait nouveau, et on s'est dit, mais c'est pas vrai, on était persuadé que notre enquête était terminée. Pas du tout. Alors, je ne vais surtout pas déflorer le sujet, parce qu'une enquête, c'est le suspense, donc c'est Yves Bolognini qui vous dévoilera notre témoin surprise, il en faut toujours, et surtout que ce témoin va apporter de nouvelles preuves à cette disparition qui nous angoisse tellement. Voilà. Alors, comme on a dit à tout le monde de faire court, je ne vais pas faire long. Donc, je passe tout de suite la parole à Monsieur Philippe Gillet, vice-président pour les affaires académiques de l'EPFL. Mais au préalable, j'aimerais encore le remercier d'avoir accepté de parrainer dans ce beau forum notre inauguration. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir ici ce soir. C'est toujours étonnant. Les musées, c'est toujours beaucoup d'histoire, 30 siècles d'histoire. Ici, on a un musée qui est assez étonnant. Premièrement, c'est un musée jeune, et deuxièmement, il fait des histoires courtes, très très courtes. Donc on va, toujours c'est la fin des dinosaures, là on va voir quelques dinosaures s'éteindre successivement dans votre musée, et des disparitions aussi, des dinosaures disparaissent aussi. Donc j'espère que tout ça n'est pas prémonitoire. Voilà, juste vous remercier d'organiser et de maintenir un peu cette histoire qu'on vit, parce que les musées, très souvent, c'est de l'histoire qu'on n'a pas vécue. Ici, pour beaucoup d'entre nous, c'est une histoire qu'on vit, parce que c'est une histoire qui va très vite par les découvertes successives qui deviennent très obsolètes très rapidement. On a la chance à l'EPFL de participer à cette histoire, participer dès le début de cette histoire. Il y a ici le professeur Nicou, qui est l'un des artisans de ce boom de l'informatique, en particulier par ses travaux sur les premières souris. On a le professeur aussi le professeur Mange à l'école qui a beaucoup travaillé sur les premières machines bio-inspirées. Et puis on a aussi cette culture un peu muséale. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous promener. Il n'y a pas que le musée Bolo à l'école. Il y a l'école tout seul qui est elle-même un musée, parce que vous trouverez des ordinateurs un peu partout sur lesquels les étudiants peuvent s'asseoir. Il y a 2-3 machines craie dans les couloirs de l'école sur lesquelles les étudiants peuvent s'asseoir. Donc notre culture muséale est une culture assez ouverte. Mais le PFL, et je voudrais aussi le dire, continue d'écrire cette histoire, qui n'est pas encore, je l'espère, dans le musée, en particulier au travers de sa faculté d'informatique, dont Martin Vetterli vous parlera peut-être tout à l'heure, ou en tout cas vous parlera un petit peu de ce qu'elle fait. On travaille aussi sur les ordinateurs de demain, on est très impliqué sur peut-être une simulation nouvelle du cerveau qui utilisera l'informatique de demain, ou qui sera peut-être une préfiguration de ce qu'est l'informatique de demain. Peut-être qu'un jour, il y aura un cerveau dans votre musée, parce qu'on aura réussi à comprendre que c'est un ordinateur extrêmement puissant. On a d'autres grands projets qui regardent aussi comment les ordinateurs consommeront moins d'énergie, comment vos ordinateurs portables, vos téléphones portables, qui sont des ordinateurs, consommeront moins d'énergie. Puis on a aussi des gens qui créent des entreprises de demain à partir de cette informatique. Il y en a un ici, j'ai vu tout à l'heure Martin Oderski, qui a créé un nouveau langage que vous utilisez dans votre téléphone portable, quand vous faites du tweet, quand vous tweetez sur votre téléphone portable, vous utilisez le langage d'une personne qui est ici. Martin, je ne sais pas si tu es là, je t'ai vu tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres gens, comme une autre société, comme celle de M. Chocrolaï, qui travaillent sur la manière de travailler encore plus rapidement avec les périphériques des ordinateurs en consommant beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Voilà, donc l'école a participé à cette histoire, est encore un acteur de cette histoire, et j'espère que le musée sera aussi une manière, peut-être, de retracer en permanence à la fois l'histoire de l'informatique, mais tout compte fait aussi l'histoire de notre école, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.
maintenant passer la parole à Monsieur François Martalère, pardon, conseiller d'État. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs. C'est un immense plaisir pour moi que de venir vous adresser quelques mots au nom du Conseil d'État en ma qualité de chef du département des infrastructures dont dépend l'informatique. J'étais évidemment très enclin à venir vous parler de sujets divers et variés, peut-être un petit peu philosophiques. Ça me change un tout petit peu de discussion autour des difficultés rencontrées par le logiciel Votelec dont on a beaucoup, sur laquelle on m'a beaucoup interrogé ces derniers temps. Pour une fois, je m'exprime sur un autre sujet, une occasion aussi pour moi de faire un petit coup de publicité pour l'État de Vaud, la direction des systèmes d'information, puisque celle-ci fête ses 50 ans d'activité. J'y reviendrai ultérieurement. En préparant ce petit speech qui se veut court, j'ai bien entendu les instructions. J'ai repensé à cette informatique des tout débuts que j'ai eu l'immense plaisir d'introduire dans la PME que j'ai fondée avec le neveu de M. le professeur Nicou et qui probablement a fait partie des PME de ce canton de toute petite taille parmi les premières à s'équiper en informatique avec ses bons conseils, avec une machine qui, je me souviens qu'à l'époque, le choix se posait entre un réseau de PC XT, c'était en 1986, et un ordinateur multi-usager, multi-poste, tournant sous Unix. C'est finalement ce choix qui a été fait que quelques années plus tard, avec l'arrivée de Linux, évidemment, je me suis fortement intéressé au monde des logiciels libres, mais je ne vais pas non plus vous dire beaucoup de choses à ce sujet. Juste me souvenir qu'à l'époque, ces ordinateurs, pour démarrer, avaient besoin d'une disquette qu'on appelle Bootstrap. Je me suis longtemps interrogé sur l'origine de ce terme, jusqu'à tomber sur l'explication qui nous renvoie au baron de Munchausen, qui parvenait, en prenant ses bottes par les éperons, à se soulever lui-même. Ce qui m'a donné tout de suite le sujet philosophique que j'entendais partager en introduction de cette présentation de ce soir, c'est qu'au fond, il y a un tout petit peu de bootstrapping dans cette histoire de l'informatique, puisqu'en réalité, nous n'aurions pas les machines ultra-performantes dont nous disposons aujourd'hui si nous n'avions pas eu à chaque fois les ordinateurs des générations précédentes qui ont permis juste de les concevoir, idem évidemment pour les logiciels de plus en plus performants que nous avons. Voilà, c'était le petit clin d'œil philosophique. C'est assez intéressant de constater qu'au fond, tout cet historique n'est pas seulement une histoire que l'on raconte, c'est aussi l'explication de ce que nous développons aujourd'hui et vraisemblablement que demain, lorsqu'ils entreront au musée, les ordinateurs que vous utilisez aujourd'hui pour développer ces nouvelles technologies d'information et de la communication seront là aussi le moyen de se développer et d'évoluer. Mais revenons un tout petit peu en arrière, puisque l'informatique cantonale vaudoise est largement plus ancienne que le musée Bollot. Une exposition d'ailleurs qui comporte, si j'ai bien compris, quelques pièces qui sortent de l'informatique cantonale, en tout cas des toutes premières machines, puisqu'en 1962, l'État de Vaud avait acquis la première Remington Univac, ainsi qu'une imprimante dite rapide. Et je crois que il y a quelques pièces qui sont exposées dans les locaux de la BSI, mais il me semble qu'il pourrait même y en avoir dans le musée Molin, en tout cas si celui-ci n'en comporte pas, le moment est venu de réparer cette erreur. Une année plus tard, le plus gros consommateur de ressources informatiques de l'État de Vaud, c'est encore vrai aujourd'hui, l'administration cantonale des impôts avait pu opérer la première facturation automatique des impôts communaux et cantonaux, sur la base de quelques 90 000 cartes perforées, qui avaient permis d'adresser aux contribuables du district de Lausanne l'ensemble de leurs factures d'impôts. Puis après, les choses se sont accélérées. 1980, c'est l'arrivée de des premières machines dites de mini-informatique avec les ordinateurs DEC. 1989,
apparaissent en même temps les premiers Mac dans les écoles vaudoises. 1989, c'est aussi l'arrivée des premiers PC sous Windows 2.0. Et puis 1992, la première messagerie électronique de l'État de Vaud qui, ça mérite d'être souligné, tournait sur le mainframe IBM. Voilà un tout petit peu pour l'histoire. Ensuite de cela, évidemment que c'est les révolutions successives qui sont passées dans l'administration cantonale comme dans l'ensemble des entreprises de ce canton et du monde industrialisé. Voilà le petit message que je voulais vous donner. Notez bien, 50 ans de l'informatique cantonale, c'est un bail et l'invitation à intégrer quelques vestiges de cette glorieuse période et de cette longue saga dans l'exposition du musée Bollo. Merci infiniment pour ce travail de mémoire et je me réjouis d'entendre la suite. Tout cela m'a l'air fort mystérieux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martalère. Je voulais simplement vous rappeler que la faculté informatique et communication de l'EPFL avait hébergé le musée Bollo depuis 2002, et que grâce à cette faculté et grâce à l'EPFL, une partie des objets les plus rares des collections du musée Bollo ont trouvé un toit depuis déjà 9 ans. C'est pourquoi je voudrais maintenant appeler le doyen de cette faculté, M. Martin Wetterli, et le remercier déjà pour tout ce qu'il fera pour nous dans le futur. Alors, je vais continuer à vous parler parce que je suis un peu brimée, là, je ne fais que présenter. Alors, cette enquête est pleine de suspense. La preuve, c'est qu'on a fait exprès de cracher un bête micro ce soir. Et cette enquête, vous allez le voir en visitant l'exposition, elle est faite de témoins. Et à ce sujet, j'aimerais dire qu'il y a des témoins parmi les intervenants, mais il y a aussi de nombreux témoins des débuts de l'informatique en Suisse. Et ces témoins, ils sont dans la salle et nous en sommes très heureux. Donc, Monsieur Wetterli. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici, de vous voir nombreux pour un sujet qui est important, qui est la mémoire de l'informatique, le musée Bollo, qui est un musée exceptionnel, unique en son genre, certainement dans cette région du monde. Alors, je n'étais pas exactement sûr de quoi je devrais vous parler. Il y a des gens extrêmement célèbres dans la salle, donc ça me met très mal à l'aise de parler d'informatique. Mais je ne vais pas vous parler d'horlogerie. Si vous pensez que ce truc ici, c'est un mouvement de montre, eh bien non, c'est une image du Analytical Engine de Charles Babbage. Oui, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça ne va pas cracher. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est un sujet que je connais un tout petit peu, qui est le monde analogique et le monde digital, parce qu'on parle d'ordinateur, et essentiellement l'ordinateur l'information est une production de l'ère digitale. Alors j'ai mis ça dans une image ici, ça c'est le monde dans lequel on vit, ça c'est le monde dans lequel vivent les ordinateurs, et puis la question c'est comment ces mondes interagissent, à partir de quand on a commencé à penser digital, et pendant combien de temps est-ce que ça durera encore. Donc j'ai appelé le sujet, l'ère digitale, et ensuite. Alors, en fait, ça remonte un petit peu plus loin que le musée Bollo, il faut quand même le dire. Donc ça, c'est un tableau cunéiforme babylonien qui a environ 4000 ans aujourd'hui. Et puis, il représente quoi? Eh bien, il y a deux choses fondamentales. Il y a un alphabet. Okay, donc l'idée de créer un alphabet, de prendre le continuum des choses qu'on peut exprimer et de le réduire dans des atomes d'informations comme un alphabet, ensuite des mots, un langage, etc., ça c'est une invention absolument fondamentale dans l'histoire de la civilisation. Et c'est pas évident du tout que ceci soit arrivé, et là où c'est arrivé, c'était le début de la civilisation moderne. Okay, donc à Babylone, en Mésopotamie, on a inventé l'idée qu'on va quantifier l'information dans des objets avec lesquels ensuite on peut
créer le langage, faire des arguments, démontrer des théorèmes, avoir des algorithmes, et puis faire du commerce. Parce que l'origine, et puis ça c'est peut-être le petit détail que les gens n'aiment pas beaucoup dans le milieu scientifique, c'est qu'en fait l'origine de tout ça, c'était le commerce, un truc pas forcément très intellectuel, extrêmement avancé, c'était pour se payer des factures, prendre des assurances, etc. Alors, ça c'était juste pour rappeler que ça a une très longue histoire. Alors de quoi je vais parler vraiment ? Je vais parler très brièvement de l'histoire, parce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire beaucoup mieux ici dans la salle que moi. Peut-être parler brièvement des sujets qui keep us excited au début du 21e siècle, à la faculté informatique et communication, le genre de sujets sur lesquels on travaille et qu'on pense travailler dans le futur proche. Je vais parler un tout petit peu de l'impact de l'informatique sur la société. Le conseiller d'État, Martin Lehr, a parlé des problèmes informatiques lors des votations récentes. On voit bien que l'informatique et la société ont une interaction extrêmement forte. J'ai plutôt parlé d'un domaine, à mon avis, qui va nous poser beaucoup de challenges, qui sont les questions de sécurité et de privacy sur l'Internet. Je vais en parler brièvement. Et puis finalement, je vais finir en posant la question, est-ce que l'ère digitale va nous accompagner jusqu'à la nuit des temps ? Et puis ça fera peut-être partie aussi d'un élément de l'enquête. OK. Alors, vous connaissez tous, je pense, l'histoire. L'histoire de l'ordinateur remonte à quelqu'un essentiellement qui était un mathématicien, qui avait la chaire de Newton à Cambridge, même s'il n'a jamais donné un cours, qui était Charles Babbage, mais surtout, il avait une muse qui était Ada Lovelace, et Ada Lovelace était une mathématicienne brillante, qui a écrit le premier programme. Donc, on a beaucoup de peine à recruter, semble-t-il, des filles aujourd'hui pour venir en informatique. Eh bien, l'origine de l'informatique, en fait, la première programmeuse, c'était effectivement une programmeuse. Donc, peut mieux faire. Ensuite, bien sûr, il y a Turing qui est très important dans l'histoire de l'informatique parce qu'il a posé les fondements théoriques. Et il a aussi posé beaucoup des questions qui nous occupent encore maintenant, comme celui de l'intelligence artificielle, par exemple. L'origine de son travail, c'était le décodage des codes utilisés par les sous-marins allemands à l'époque, donc la fameuse machine Enigma, dont j'espère un jour voir une copie dans le musée Bolo. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça viendra peut-être. Un autre grand homme de l'évolution, je dirais, de l'ère digitale, c'est Claude Shannon. C'est lui qui a vraiment inventé la société digitale comme on la connaît aujourd'hui, qui a mis les fondements mathématiques, scientifiques, mais aussi d'ingénieurs, comment en fait communiquer, comment mettre des choses en mémoire sur un disque, etc. C'est vraiment là qu'est l'origine de la civilisation digitale que nous connaissons. Alors, quel genre de problème nous occupe aujourd'hui ? Alors, il y en a un qui est aussi vieux, je dirais, que l'histoire de l'informatique. Donc ça remonte à Charles Babbage, Analytical Engine, c'est la question de l'intelligence artificielle. Ça a aussi beaucoup occupé les gens dans la science-fiction, mais aussi les chercheurs, et bien sûr aussi les domaines appliqués. Et là, il y a beaucoup de progrès qui est fait, mais pour l'instant, on est encore là, les professeurs d'informatique sont encore requis pour effectivement donner des cours d'informatique. On sera peut-être remplacé un jour si on est trop bon à faire justement ce sujet de l'intelligence artificielle. Un autre sujet qui est central, c'est celui de la complexité. J'y reviendrai dans une minute. Et puis finalement, un qui est émergent, mais qui est très très visible, c'est celui qu'on appelle Network Science. Je ne suis pas sûr s'il y a une bonne traduction en français. Alors, tout ceci, qu'est-ce qui fait tourner tout ceci ? C'est la loi de Moore. La loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, le nombre de transistors sur un chip double. Et puis on voit ça très bien ici, avec une axe du temps, un nombre de transistors ici sur une échelle logarithmique. Et on voit qu'effectivement, ça continue. Et ça a continué, et des gens ont dit que ça finirait. Depuis que je suis dans le métier, des gens ont dit dans 10 ans, c'est fini. Mais ça fait assez longtemps que je suis dans le métier. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que la taille mémoire qui est utilisée sur un ordinateur a aussi augmenté de façon exponentielle, mais moins vite. Okay ? C'est-à-dire qu'on va certainement arriver à un bottleneck où, en fait, le storage space, surtout avec la quantité d'informations qui est créée, va devenir le bottleneck. Alors, sur l'intelligence artificielle, je pense que vous connaissez les derniers succès. Aux États-Unis, il y a un jeu très populaire qui s'appelle Jeopardy, où, en fait, un ordinateur de IBM a réussi à battre les meilleurs joueurs humains. Alors, les gens, tout de suite, disent « Oui, mais c'est évident, parce que c'est simple de jouer à Jeopardy. » Mais les gens disaient la même chose sur le jeu d'échecs. Donc, ce n'est pas tellement trivial. Et c'est vraiment une des grandes avances dans un domaine qui s'appelle Natural Language Processing, d'arriver à battre sur un jeu très populaire les meilleurs joueurs humains. Du côté de la complexité, alors c'est un sujet qui nous a toujours occupés, parce qu'en fait, vous pouvez voir
l'informatique comme étant une branche des mathématiques ou des mathématiques appliquées, mais une branche constructive dans le sens qu'on veut en fait trouver des résultats, calculer des résultats, et donc la question de la complexité est très centrale. En même temps, la complexité est utilisée pour protéger les systèmes, donc tous les systèmes de sécurité qu'on connaît utilisent, ou beaucoup des systèmes qu'on connaît utilisent la cryptographie à clé publique, qui se base sur la complexité de la factorisation des grands nombres entiers. Et si jamais on change la technologie, en fait, tout ça partirait en fumée. Donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient à tout moment. Et finalement, Network Science, c'est la science qui émerge de Facebook, mais d'Internet, du web, etc., où il y a beaucoup, énormément de choses à faire et qui pose aussi des questions de type sociétal sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Alors, informatique et société, je pense que le grand watershed, le grand saut quantique, ça a été l'invention du web. Et je suis très content de saluer Robert Caillot, qui est dans la salle quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, qui travaillait avec Tim Berners-Lee et qui était là à enfanter le web à la fin des années 80 au CERN, et qui a vraiment créé une démocratisation de l'échange d'informations qui a des effets fantastiques. Alors, moi, je ne suis pas du tout un historien ni des sciences, ni de l'informatique, mais il est quand même intéressant de voir que des sauts technologiques, comme par exemple l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, en tout cas l'invention dans le monde ouest, occidental de l'imprimerie, au cours de moins d'un siècle, a créé la diffusion de savoir qui a créé, par exemple, la réformation en Europe. Alors on voit la même chose avec le World Wide Web, ça a pris un peu moins longtemps, parce que les choses vont plus vite, mais en une vingtaine d'années, vous avez Wikileaks, et le résultat des Wikileaks, si vous avez suivi la presse récemment, c'est très clairement une demande d'ouverture des sociétés, de démocratisation dans le monde. Alors, je pense qu'on n'a pas vu la fin de ce mouvement de fond où une démocratisation du savoir et de l'information va créer des changements sociétaux très fondamentaux. Alors tout ça, peut-être je dois quand même exprimer un souci. Alors, on est ici, on célèbre un musée en Europe, on est dans une faculté d'informatique et communication, mais il ne faudrait pas perdre de vue que ce domaine est très très fortement dominé par les entreprises américaines. Alors je suis un grand fan de Google et tout, j'utilise tous les jours, mais il faut quand même voir que d'outsourcer tout notre savoir informatique et toutes nos informations à des multinationales dont le but c'est pas forcément ni la démocratie ni des choses de type ésotérique qui nous intéressent dans le milieu académique, ça pose un certain problème à terme. Et je vais peut-être prendre l'exemple de Facebook qui est peut-être celui qui pose le plus de problèmes à la société. Alors Facebook, si je parle à mes enfants adolescents, ils trouvent ça absolument fabuleux, ils y passent un temps innommable, et ça a certains effets positifs certainement, mais je pense que ça a aussi des effets négatifs, parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte qu'ils pensent que c'est un service gratuit, et pas du tout, ils payent en fait en mettant à disposition leur information personnelle, c'est-à-dire il y a un espèce de deal méphistophélien entre le citoyen du monde moderne et ces grandes entreprises, ces multinationales, où on pense obtenir un service gratuitement, on paye quelque chose dont le prix n'est pas vraiment bien compris par les utilisateurs. Je pense que ça aura des effets. Bon, ici, il y en a un, mais ça, c'est typiquement américain. Quelqu'un qui était enseignant dans le système américain s'est fait virer pour une histoire sur Facebook. Je pense que c'est the tip of the iceberg. Et c'est quelque chose avec lequel la société devra apprendre à travailler. Alors, tout ça est basé sur le fait que la quantité d'informations que la société veut mettre de côté et augmente exponentiellement. Alors les ressources aussi augmentent exponentiellement, mais on va avoir certains problèmes. Et un, c'est certainement le problème de l'énergie. C'est un problème sur lequel on travaille à la faculté. Toute une série de profs sont impliqués là-dedans. Il y a un centre, EcoCloud, qui s'y intéresse, etc. Les grandes multinationales s'y intéressent aussi. Mais manifestement, si quelque chose augmente exponentiellement, et dans ce cas-là, c'est la consommation d'énergie ici sur le campus, sur le domaine IT, à un certain moment, on va avoir un problème majeur. Et celui-là, je pense, c'est celui qui va faire reposer les questions des fondements de l'informatique. Comment est-ce qu'on calcule? Quelles sont les informations qu'on va garder? Et là, je finirai simplement par dire, un des rêves de l'humanité, c'est d'avoir ce que j'appelle « perpetual bits », donc des bits qu'on peut garder pour toujours. Okay? Et il y a eu au cours des âges toute une série d'initiatives, okay? Ça c'en est une, les caves de Lascaux, Stonehenge. Ça c'en est une autre qui est intéressante, c'est le vaisseau Voyager, c'est essayer de garder de l'information qui soit décodable par une autre forme intelligente de vie. Alors on attend toujours la réponse, hein. Je ne suis pas sûr où est Voyager aujourd'hui, et peut-être qu'il y a un crash du système
operating system. Et puis, il y a aussi ce côté que finalement, on n'a jamais vraiment réussi à garder l'information pour toujours, parce que le support sur lequel l'information est n'a pas cessé de disparaître. Donc, on a parlé de cartes perforées tout à l'heure. Moi, je suis un grand fan de photographie. Donc, Kodachrome est quelque chose qu'on pensait qui était fabuleux et qui a disparu. Et puis, la réponse aujourd'hui, c'est oui, put it in the cloud, OK, et peut-être que ça restera là pour toujours. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la solution. Il faudra se reposer la question, qu'est-ce qu'on appelle de l'information? Alors, je ne vais peut-être pas passer cette longue liste ici, parce que j'ai parlé de certains de ces points-là, mais ce qui est sûr, c'est Gordon Moore, toujours le même, a dit « It can't continue forever. The nature of exponential is that you push them out and eventually disaster will happen. » Il s'avère que ça, c'est très prémonitoire, pas seulement pour l'informatique, la consommation d'énergie, c'est prémonitoire pour l'économie dans laquelle on fonctionne, pour la pollution qu'on produit, etc. Et il faudrait peut-être bien qu'on prenne ce message-là en tête. Et avec ceci, j'aimerais remercier les organisateurs, en particulier Yves Bolomini, les gens qui m'ont aidé pour ça, et vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, Monsieur Vetterli. J'aimerais maintenant présenter ensemble les deux prochains intervenants. Pourquoi ensemble? Parce que c'est une paire extraordinaire qui va maintenant vous parler. Ils sont tous deux d'abord, nous sommes à l'EPFL, ils sont tous deux d'anciens professeurs, professeurs honoraires des écoles polytechniques de Suisse, Monsieur Niklaus Wirth, de l'École polytechnique de Zurich, et Monsieur Jean-Daniel Nicou de l'EPFL, qui s'appelait à l'époque EPUL. Pourquoi je les présente ensemble? Tout d'abord parce qu'ils sont également membres de notre fondation. Donc c'est pour nous une très très grande fierté de les avoir parmi nous, à la fois ce soir, et c'est un privilège, et dans notre fondation. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que ces deux personnes sont célèbres, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, tous les deux, et qu'ils sont connus dans le monde de l'informatique comme le loup blanc. Alors, je vais commencer par M. Niklaus Wirth, qui est, on a mentionné Turing tout à l'heure, eh bien, c'est un monsieur qui a obtenu le prix Turing, et ce n'est pas rien du tout, c'est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Monsieur Niklaus Wirth est l'inventeur, le concepteur, l'auteur d'un nombre incalculable de langages de programmation, dont le célèbre Pascal, qui a fait le tour du monde entier. Monsieur Jean-Daniel Nicou n'est pas moins célèbre. Il a, dans les années 70, donc au tout début de la micro-informatique, conçu une famille de micro-ordinateurs, bien connue par nombre d'entre vous, les SMAKI. C'est lui qui a introduit et développé la souris en Suisse, après avoir fait un séjour aux États-Unis. Et ensuite, il est aussi précurseur dans le domaine des réseaux locaux, puisqu'il a relié différents SMAKI ensemble. Alors, je dois faire court, j'ai demandé à tout le monde de faire court, je m'arrête, mais le panégyrique pourrait continuer encore très longtemps. Alors, je vais tout de suite passer la parole à M. Niklaus Wirth et le remercier d'être venu de Zurich pour vous parler. Chères dames et messieurs, d'abord, je dois demander vous m'excuser que je parlerai en anglais. La raison est que je veux vous sauver du choc d'écouter mon français allemand fédéral, tandis que ça durera seulement une douzaine de minutes. Well, yeah,
I think the opening of an exhibition at a museum is probably a unique chance to talk about history of something, and I will concentrate on the subject I have been active for many years on, programming languages. I'll talk to you later about the reason for this. But I would first of all like to place you a little bit in the situation of the 1960s. It's in computing. It's quite impossible to think back that far and how the environment was totally different from nowadays. There were small computers and there were large computers already in 1960. And the small computers were used in research environments. Two of them I met, the ALWAC 3E and the Bendix G15. They had memories of about 1,000 words. I don't mean gigabytes, I mean 1,000 words. And the mode of using them was that you would sign up a few days ahead for an hour's use. And you would carefully prepare on your desk for that hour. And then you used it for an hour and then you were kicked out. The input-output was simply a typewriter. In the case of the GFT-15, also a helpful bell when something went wrong. The large computers were used at universities and banks, of course, such as the IBM 704 and Honeywell computers. And they had not only 1,000 words of memory, but 32,000. Still, by nowadays standards, that's nothing. And nobody would be able to do anything useful if he had only so little memory available. We had to economize, and that's an art which is largely lost nowadays. Now the use here is that you would not sit at a typewriter, you would sit at a key punch, and then deliver the cards, the card deck, to some office, and you would fetch the output next day. And it was always very enlightening when the message on that output was, "You have misplaced a semicolon." One day lost. Input output, as I said, punched card and printers with only capital letters. Now, the question, of course, was how to use these computers. Already in their small size and with the small programs, it was quite easy to commit errors. And we were sorry because errors cost a lot of time if you have to wait for a whole day for the next little semicolon missing. Small computers were programmed with hexadecimal numbers. Can you imagine? How cumbersome. Large computers with assembler codes. And some people started to love assembler code. But nevertheless, both methods were awfully cumbersome and error-prone. And one was, of course, looking for a means to reduce this number of errors and to make programming more productive. And the remedy was found in so-called programming languages. Languages that let you think in some terms of abstraction, that you let you forget the easy bitty details of commands that you sequence up in long sequences, supposedly a more or less readable mathematical text. The early languages, the first one definitely was Fortran, developed by a team at IBM in 1957, long ago. And ALGOL 58, designed by an international committee, which immediately spawned dialects like Neliac and Jovial. And the first language, real language, that I really got in contact was one of them, namely Neliac. The big shot was ALGOL 60. At least in the academic community, it caused quite some attention. And I'm very quickly going to mention a few points that ALGOL introduced. And I'm doing this because this is generally forgotten where their origin was.
First of all, it introduced free format text, free format program text. You didn't have to use a C in column 7 of the punched card to indicate that this was a comment, and so on. Declaration of all names of variables introduced redundancy that the compiler could use to check and point out, here you've made a mistake. Mathematical notation for expressions. Don't forget that computing science mostly came out of mathematics and mathematically interested people. So Algol introduced a notation that was very close to mathematics. It introduced types and type checking by the compiler. You would distinguish between real variables and integer variables and Boolean variables and so on. As introduced the type Boolean as a mathematical object, truth and values. Then it used if and for statements for expressing conditional and repeated statements, also a big help. And it introduced procedures with local variables and block structure. And I think that was a very, very important concept. You could say, well, this and this name I introduce is only valid in this range, in this procedure. And if I add other procedures, I'm free again to use other names or the same names. And it introduced recursion. And you have no imagination how many discussions and controversies this concept introduced, because the engineers in the computing sciences said, well, this is really not a useful concept for us, and it's inefficient, and it costs cycles, and so on. Nowadays, this question is not talked about anymore. It has been resolved. Well, there's so much only about Algol. After Algol, it was really very studied very heavily at universities. After Algol came more languages. Of course, Algol was designed by these committees mostly consisting of mathematicians, though the orientation was towards numerical computation. While in the other world, outside universities, computers were beginning to be used mainly for accounting, for business. And it was the Department of Defense that created a language, COBOL, the common business-oriented language. And this language split the world into science and accounting. And even in hardware, this split was deeply engraved. Namely, in the scientific world, you use binary computers using binary arithmetic. And in the business world, they use decimal computers using decimal arithmetic. Also something that has been completely forgotten nowadays, because who talks about decimal arithmetic anymore? It's gone. There was also the language Lisp, developed by McCarthy at MIT in 1962. It introduced the notion of a functional language where recursion instead of iteration is the fundamental means to express a continuing process. Its data structures are neither arrays or matrices nor records like in business data processing, but dynamic lists, which, of course, are easily treated by recursive algorithms. Now, this, due to McCarthy, I think, this Lisp is often associated with artificial intelligence, and it was kind of a strange thing. People thought that artificial intelligence work could only be done if you used the language Lisp, and if you use language Lisp, you are working in artificial intelligence. Nothing could be farther from the truth already. More programming language, again. Of course, they become quite successful tool for making programming more easy. And so, particularly larger companies
developed further languages, in particular PL1 in 1965, and its main purpose was to try to reunify the scientific and the business worlds. And it did so together with the IBM 360 computers that solved the problem by simply implementing binary and decimal arithmetic on the same machine. And PL1, of course, was the language that belonged to it and had integer arithmetic, binary, and decimal arithmetic. By the way, the IBM 360 also introduced the notion of the 8-bit byte. Again, something nobody thinks about nowadays. But before 1965, a byte had only 6 bits. It's true. All computers before 1965 had word lengths which were a multiple of 6. But as well as the IBM 360, so did PL1. It became a monster. That's always the case if you try to put everything into a single bag and do so by committee, where you just accept every idea from every member. The monster, I learned that in some place of IBM, they developed for the small models of the IBM 360 computers an implementation of this huge language, and it required 70 passes. How crazy can you become? You submitted a job, and an hour later, maybe the output came out. At that time, I created AlgolW, and a little bit later, Pascal, because I felt that for education, particularly at the university level, these monster languages were certainly not the way to go. I wanted something that could be explained in simple terms and understood within a single course. Yes, maybe it is time to think about this further development of languages. I already indicated that in the 60s, this trend towards complexity started. And it has continued, I'm afraid. Languages have become so monstrous that one has to really ask yourself, can we ever master such a language? I think we are on the wrong track with this complexity. And in particular, I'm saying so because they become unmanageable, and this has become visible because the cry for reliability of our software has become loud and louder. Obviously, because we, in so many ways of our lives, depend on computers, and we want them to be safe and secure and always to produce the right results. It was my old colleague Dijkstra who once said, programming languages are abstractions of real machines. And programs are texts we write to describe abstract machines. And programming texts are nothing but mathematical texts that are susceptible to mathematical reasoning and mathematical treatment. And that, and not only things to be fed to a computer. I wish that every programmer would program in such a way that his colleagues can read with pleasure their programs and even understand them. Not only computers can grind them. Well, I'm afraid we are far from that goal. And with the growing complexity, we are even moving further away. But if you want to design reliable software,
some people even talk about provable software. They must rely on a language that has a sound logical basis, perhaps one where it can even erect proofs. And with our complex languages, this goal moves further and further apart. Well, that's all I wanted to say. We are always very enthusiastic about the tremendous progress we are making in informatics. I claim they're mostly due to electronics, perhaps even chemistry, who allow to produce all these fantastic chips. But informatics, does it really deliver its contribution? Informatics is mostly concerned with applications nowadays, whereas it has to still solve a lot of down-to-earth computing problems. Well, let's hope that people will more and more see that the supposedly inevitable trend towards more and more complicated things should be broken. I did it once, namely with Pascal. People said, well, how do you want to teach a new programming language when industry asks that we produce students who know Fortran? And then I said, well, how do we break that? The industry wants students that learn what they are already using, and we think something else should be better. How do you break this vicious circle? And with Pascal, I fortunately managed to do that. I used a language that is not only convenient for teaching the fundamental concepts, but from which you can easily learn other languages expressing similar concepts. And I feel that something similar should happen nowadays again. I have gotten into some work designing hardware, and this is also now done not with drawing circuit diagrams, but rather with textual descriptions of these circuits. And they're becoming so complex that, again, a language should be available that rests on simple, clearly defined rules. In order to design reliable circuits, you must have a solid foundation. Well, I've just briefly talked about history and there to say a few things about how things developed so far. And I think not everything is as perfect as it sometimes is described. Thank you for your attention. In any way, I'm pleased to be here at this museum. It's nice that some people remember that old histories and that everything that we have now has somehow evolved of earlier work. Thank you. Pas que je le présente, mais je voudrais simplement dire que je suis très reconnaissante au professeur Nicou, parce que quand je suis arrivée en Suisse et que je ne savais pas grand-chose sur l'informatique, c'est monsieur Nicou qui m'a expliqué beaucoup de choses, et je lui en suis très reconnaissante encore aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps d'expliquer beaucoup de choses maintenant. Mais si. Alors, c'est l'astronomie qui a un petit peu suscité les premiers appareils de traitement d'information. Ensuite, c'est l'économie. Pascal a utilisé son intelligence et les possibilités mécaniques de l'époque pour faire des calculatrices. Babbage, on a déjà dit qu'il était génial, mais il a fallu 100 ans avant de pouvoir construire sa machine et de vérifier ses idées mécaniquement. Alors, je saute maintenant l'histoire du début des ordinateurs électroniques en 1940. Vous trouvez sur Internet une information considérable et même des simulateurs pour programmer vous-même, dans le fond, ces machines.
En 53, on a le premier ordinateur commercial qui a une fière allure. Et ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est la difficulté à l'époque qu'il y avait avec les mémoires. Alors, Zuse avait fait des mémoires mécaniques extraordinaires, vous pouvez voir à Munich, pleines de petits leviers, de tiges, de poulies, etc. Avec des relais, vous seriez vous-même capable de faire une mémoire pour un bit, mais ça consomme passablement de courant. Avec des tubes radio, vous faites un flip-flop, mais vous avez presque un litre de volume par bit. Donc, l'idée à l'époque, c'était le tube William, où on comprend presque comment ça fonctionne. La télévision commençait à être maîtrisée, donc on écrivait des points sur un écran, et avec le... Oh, attendez, là j'ai fait... Je croyais que c'était un pointeur, mais apparemment pas. Oui, il faudra qu'on m'explique. Avec le petit capot qui se rabat sur l'écran, il y avait une mesure électrostatique. Ah, le petit rouge au milieu, merci. Voilà. Le capot se rabat, ça fait des décharges électriques, etc. Donc voilà, on pouvait mettre un kilobit sur cet écran. Et l'univac qu'on vient de voir utilisait comme mémoire de travail 36 tubes William pour avoir à disposition 1024 mots de 36 bits pour faire les calculs. Alors on les devine presque tout à droite, je pense que là j'ai compté 9 armoires. Voilà. Alors, amusant, la mémoire programme, c'était une mémoire tambour de 16K. À quoi ressemblait une mémoire tambour? Ça. C'est évidemment plus simple de faire un disque, mais il faut arriver à miniaturiser la tête et puis à déplacer cette tête avec une très grande précision des asservissements. Donc, ça a pris quelques années de plus. Alors, évidemment, avec le tube William, on ne pouvait pas aller très loin et heureusement, la mémoire à tore de ferrite a été inventée, et ça, c'était vraiment quelque chose de génial, qui a permis l'explosion de l'informatique, IBM, etc. Les disques aussi sont venus en temps voulu avec les bandes pour stocker suffisamment d'informations. Alors, c'est une mémoire qui est non volatile, et puis elle a permis non seulement le développement d'IBM, mais l'apparition des mini-ordinateurs, puisque en parallèle, les transistors avaient conduit à des circuits intégrés sur lesquels on pouvait mettre une petite unité arithmétique d'un bit, même de 4 bits plus tard, et toute la circuiterie pouvait tenir sur une carte et surtout avec un prix raisonnable. Mon labo a pu acheter un mini-ordinateur en 1970 avec 4K de mémoire et un télétype pour 20 ou 25 000 francs, je ne me souviens pas exactement. J'aimerais bien vous en parler avec plus de détails, mais on n'a pas le temps. Alors, les mémoires tore de ferrite ont tenu 25-30 ans, c'est devenu presque aussi fin que du tissu. Mais enfiler 3 fils dans des tores de moins d'un millimètre de diamètre, vous devinez que ce n'était pas évident et que ce n'était pas une solution commerciale à long terme. Donc, la solution est venue avec Intel, qui, en 69, a annoncé une mémoire de 256 bits. Et là, on reconnaît même chaque flip-flop. Ouh, tant pis. Chaque flip-flop intégré. Il faut voir comment ça se faisait à l'époque. Le circuit était dessiné sur des grandes feuilles transparentes avec un film opaque qu'il fallait peler là où on voulait que la lumière passe. Il y avait plusieurs couches. Et puis ensuite, c'était photographié. Les masques étaient alignés à la bonne dimension. L'intérêt de cette technologie, évidemment, c'est que c'est planaire. On peut fabriquer beaucoup de circuits côte à côte, on teste et on élimine les mauvais, vous savez tout ça. Et puis évidemment, une fois qu'on a sorti un circuit, on retravaille,
améliore les outils pour pouvoir gratter les transistors un petit peu plus petits. Ensuite, comme on peut mettre ses mémoires dans des ordinateurs un peu plus puissants, on peut commander un plotter qui va couper les films de façon plus précise, puis commander un pointeur lumineux qui va aussi permettre de dessiner avec plus de précision, et parallèlement améliorer toutes les techniques d'allumage. Et voilà, c'est la loi de Moore. Et actuellement, on construit des usines pour fabriquer ces circuits intégrés qui coûtent aussi cher pour une seule usine qu'une compagnie d'aviation avec tous ses avions. Donc, mais tout le monde achète des mémoires. L'état actuel, eh bien, vous le connaissez, il y a un petit peu plus de bits, de bytes, qu'il y a quelques années. Et si on s'amuse à se dire, tiens, mais si on convertissait chaque bit en un grain de riz, avec tous les bits qui traînent dans vos poches, on serait noyé maintenant. Peu m'importe la hauteur, dans une année, il y en aura deux fois plus. Les étudiants probablement arrivent à remplir tout le learning center avec des grains de riz si on voulait jouer à la baguette magique. Donc, pourquoi tous ces bits? Parce que l'intérêt profond de l'homme, quand même, c'est d'interagir. Et la première interaction, c'était en 63, arriver à dessiner des polygones sur un écran. Voilà. Alors ça, c'est ce genre. Et ensuite, la grande étape, ça a été naturellement Dag Engelbart, qui, en 68, a fait une démonstration à San Francisco avec l'ordinateur qui était à 50 km, avec la superposition sur grand écran de ce qu'il y avait sur l'écran et de lui-même, une main à gauche sur un clavier sans touche, une main droite sur la fameuse souris. Et on a mis un certain temps pour réaliser ce qu'il y avait eu d'exceptionnel dans cette démonstration, puisqu'à l'époque, les ordinateurs étaient pratiquement inconnus, personne ne jouait avec un écran, ou très peu. Et, quelqu'un, plusieurs années plus tard, a parlé de Mother, la mère de toutes les démonstrations d'ordinateurs. Effectivement, ceux qui sont venus après ont utilisé leurs équipes d'ingénieurs, alors que là, Dag Engelbart, la souris, c'est une construction facile, deux potentiomètres. Mais pour arriver à transmettre l'information de deux potentiomètres à un ordinateur de l'époque, on m'a dit que l'interface avait coûté 100 000 $ et ça m'a pas surpris. Il fallait mettre toutes sortes de grandes cartes pour faire un convertisseur analogique digital, pour passer sur le bus, etc. Donc, l'étape suivante, les idées de Dag Engelbart ont été reprises chez Xerox, qui a développé des machines qui n'étaient pas commerciales, mais ça a permis aux chercheurs de se familiariser avec cet environnement, et en particulier Niklaus Wirth, qui avait passé une année chez Xerox, ne pouvait que rêver de faire la même chose. Et c'est grâce à lui, en fait, que les souris ont vraiment démarré dans mon labo. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, si j'arrive à retrouver un pointeur, non, tant pis. Vous voyez ces cartes verticales qui étaient bourrées de circuits imprimés. C'était le concept d'un mini-ordinateur où l'unité arithmétique était formée d'unités de 4 bits, où le décodage des instructions, eh bien, il était fait par celui qui construisait la machine. Donc, vous imaginez le plaisir que devait avoir Niklaus Wirth en concevant un langage optimisé pour être facilement appris, facilement utilisé en fonction de certaines applications. Ensuite, en définissant lui-même l'architecture du processeur et son répertoire d'instructions qui conviendrait le mieux, pardon. Et puis ensuite, testant sa machine. Alors, malheureusement, ce type de machine n'a pas
perduraient parce qu'elles étaient chères. Et surtout, si je reviens 10 ans en arrière, ça c'était Lilith en 8 ans, je m'excuse, je n'ai pas cliqué. 10 ans en arrière, eh bien, chez Intel, de nouveau, le premier microprocesseur avait été inventé avec 2300 transistors, travaillé sur 4 bits. Et là, il y a eu toute une histoire des microprocesseurs qui a été réinventée, et en fait, par des électroniciens et des physiciens, puisqu'il fallait aussi améliorer la technologie, qui ne connaissaient rien à l'informatique et qui définissaient des architectures en fonction de ce qu'ils pouvaient faire sur un circuit intégré à plat d'une surface qui ne pouvait pas énormément augmenter parce qu'il y avait trop de déchets. Et puis, de nouveau, c'est la même technique que pour les mémoires. Ben, on rapetisse les structures, on redessine, on miniaturise. Et puis, chaque année, ben, le nombre de transistors double presque. Et c'est devenu intéressant quand on a pu mettre dans les 60 à 100 000 transistors sur un circuit intégré, puisque là, il y avait un processeur qui permettait de gérer correctement un clavier, un écran, qui permettait tout se programmer en assembleur, mais on commençait à avoir du basique et quelques aides pour faire des applications. Et la plupart d'entre vous ont découvert l'informatique à ce moment avec des machines dont ils gardent en général un excellent souvenir, puisque là, il y avait à la fois la possibilité de maîtriser un petit peu, de comprendre cette machine, de la maîtriser, et puis de suivre son évolution, d'avoir un deuxième floppy, d'avoir un disque plus performant, de se connecter à un réseau. Et, c'était une période qui, je pense, est extrêmement intéressante. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans mon labo, ben, allez regarder sur le site Bolo. Vous trouverez des tas de liens et des liens aussi aux articles publiés par Marielle Stamm à l'époque sur l'évolution de l'informatique à cette époque. Alors, à combien de temps maintenant ? Eh bien, les PC sont devenus beaucoup plus esthétiques, ils sont extrêmement performants, mais on a parfois de la peine à s'en rendre compte. Les tablettes sont des jolis jouets. Malheureusement, accapare peut-être un peu trop nos enfants et petits-enfants. Et puis, les fermes d'ordinateurs, avec leurs nuages par-dessus, c'est quelque chose qui nous échappe un tout petit peu. Mais voilà, alors notre affectif technologique vis-à-vis de l'ordinateur a disparu. Mais heureusement, les belles pièces de collection du musée Bolo sont là et resteront là. Merci. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Giovanni Conti, qui nous vient de Berne. Et il est directeur de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication. Pardon. Et j'aimerais signaler en même temps que nous avons la chance d'avoir dans notre fondation encore un monsieur Henri Garin, qui est le prédécesseur du prédécesseur de monsieur Giovanni Conti. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le vice-président, messieurs les professeurs, anciens professeurs, chers anciens collègues, j'ose dire aussi, mesdames et messieurs, ayant pu faire mes armes en matière d'informatique avec quelques bijoux qui constituent le patrimoine du musée Bolo, je pense particulièrement aux ordinateurs Smaky, aux dauphins, à toutes ces photos que nous venons de voir, je suis particulièrement touché d'avoir aujourd'hui l'occasion de participer à cette ouverture officielle du musée Bolo et de l'exposition courante.
Le regard sur ces pièces évolue avec l'air du temps. Quand, en tant qu'étudiant, je manipulais ces engins, c'était pour comprendre comment l'architecture de ces machines modernes, à l'époque, secouait les principes de l'informatique. Comment les systèmes multitâches en temps réel faisaient leur entrée dans la micro-informatique, que certaines façons de concevoir la programmation étaient chamboulées, comme l'a dit le professeur Wirth. Tout en apprenant à envisager le futur avec ces moyens-là, je n'aurais pas du tout osé soupçonner qu'aujourd'hui, je transporte toute ma collection musicale dans ma poche, que l'engin qui contient ma musique donne aussi accès immédiat et partout à mon courriel privé et professionnel, que quelques jours par semaine, je lis mon quotidien sur une tablette électronique. Et le regard que nous portons aujourd'hui sur ces témoins de l'histoire informatique nous rend quelque peu émus, même amusés, à l'idée que ça, c'était la pointe de la technologie. Dès lors, si on se tourne vers l'avenir, comment oser envisager une projection? Que peut encore nous réserver cette évolution? Il est facile de prononcer des mots comme télévision tridimensionnelle holographique, comme dialogue vocal avec son avatar, personnel numérique. Parce que ce sont des idées qui, par la technologie mise en place, reflètent largement des concepts du présent. Mais alors, quel est le futur inimaginable aujourd'hui qui fera des tablettes et des smartphones d'aujourd'hui les objets qui éveilleront l'émotion nostalgique et l'amusement au musée Bolo de demain? Ce serait prétentieux de vouloir donner des réponses, technologiques surtout, car il y a bien assez d'experts mieux placés que moi aujourd'hui dans la salle. Alors je vais essayer de porter ce regard sous l'angle de la fonction que j'occupe à la Confédération, et où l'évolution effrénée de la technologie me pose quelques questions. Je vais toucher deux axes et raisonnablement brièvement. La première, c'est la fiabilité technologique que M. Wirth a évoquée en fin de son discours, car notre société est devenue complètement dépendante de la technologie. L'application la plus critique au fonctionnement de nombre d'entreprises et d'offices de l'administration est aujourd'hui la messagerie électronique. Sans cette application, nombre de collaborateurs sont totalement paralysés dans leur travail, j'en ai fait l'expérience, et ne peuvent plus accomplir leurs tâches, faute de documents, faute d'informations dont ils ont besoin. La science se préoccupe de fournir toujours plus de capacités de calcul, de capacités de traitement, de stockage, mais les systèmes informatiques deviennent de plus en plus complexes. Et les exploitants des centres informatiques ne sont souvent plus en mesure de comprendre les interdépendances de tous les logiciels et systèmes qui constituent leur cartographie informatique. Aujourd'hui, il suffit de paralyser quelques systèmes dans ce paysage pour créer des dommages économiques à une entreprise ou à un État. Dès lors, le paysage informatique devient si complexe que quand il y a des pannes, il faut la compétence rassemblée de tout un nombre d'experts pour avoir l'espoir d'isoler la panne qui dépend très souvent de l'interaction d'un nombre de systèmes. Il faudra donc que les systèmes de demain sachent en quelque sorte s'autodiagnostiquer et guérir leur propre anomalie sans intervention d'opérateurs, en imitant, une fois de plus, des mécanismes observés sur les tissus vivants. Car l'homme ne sera plus en mesure d'appréhender la complexité totale du système qu'il pilote. La science devra sortir des balbutiements d'aujourd'hui et permettre le développement d'applications couplées à des environnements de production gérant leurs propres défaillances. Le deuxième axe relève de la confiance. La confiance a deux facettes. Tout d'abord, la confiance en la technologie. Si l'homme n'est justement plus en mesure de maîtriser l'intégralité de son centre de calcul, il n'a d'autre choix que de faire confiance dans les capacités du système à fonctionner, à se réparer soi-même en cas de panne et à se comporter au mieux dans des situations imprévues. On parle aujourd'hui de failover, de redondance, c'est des éléments très basiques de cette idée.
Mais l'espoir des directions d'entreprise que leurs spécialistes puissent prendre toutes les mesures dans toute situation sera vain. Des systèmes aussi contrôlables ne seront pas assez performants pour garantir la compétitivité. Dès lors, la gestion de l'informatique en entreprise deviendra une science inexacte, s'approchant de la gestion des ressources humaines, où l'analyse de risque prend une part importante dans les décisions des responsables informatiques. Les environnements de production avec des serveurs virtuels, l'approche du nuage, le cloud computing dont on vient de parler, sont des premiers pas dans ce sens où l'utilisateur ne sait plus vraiment sur quel matériel est en train de tourner son application, dans quel lieu géographique sont stockées ces données. Et si vous observez les incertitudes que cela déclenche auprès des utilisateurs, les peurs qui sont en train de naître, vous voyez que la non-maîtrise du risque, la non-maîtrise de la compréhension totale du monde informatique est quelque chose qu'on n'a pas encore su aborder et qui nous fait peur. La deuxième facette, qui est bien plus délicate, c'est la confiance dans ce que nous, humains, allons percevoir. Car en effet, nous ne saurons plus si ce qu'on perçoit est le reflet de la réalité dans laquelle nous vivons. Autrement dit, comment puis-je avoir confiance dans le message vidéo que je vois ? Est-ce bien celui qui reflète in vivo la personne que j'y vois ? Ou bien est-ce que ce n'est pas une animation virtuelle voulant me passer un mensonge ? Aujourd'hui, nous parlons de cryptage, de clés publiques, de clés privées, d'authentification par signature électronique. Mais comment est-ce que demain nous ferons pour garder confiance en ce que nous percevons ? Dans ma fonction, je me dois d'extrapoler ces points à l'échelle de l'État et on s'en rend vite compte, en y réfléchissant, de l'impact que peuvent avoir ces développements. Dans ce sens, l'apport de la recherche scientifique dans l'informatique, en particulier, reste vital. Et le témoignage du musée Bollo sur les quelques petites décennies, finalement, comme vient de le dire le professeur Nicou, nous ouvre les yeux sur les défis de l'avenir. Défis qui, au-delà des prouesses technologiques au service de la médecine et des sciences, comportent des défis majeurs, cette fois, au niveau de la société. Gageons donc que les travaux de recherche dans les hautes écoles des 30 à 40 ans à venir nous apportent autant d'inspiration et de compétences dans notre pays que les décennies retracées dans cette exposition. Merci de votre attention. Et maintenant, voilà notre détective en chef, Yves Bolognini. Ça ne vient pas à l'écran, et si vous ne le savez pas encore, il est cofondateur du musée Bollo et président de la fondation Mémoire Informatique. Puisque ça ne vient toujours pas, je peux vous dire qu'il a travaillé jour et nuit depuis des mois pour mettre sur pied cette exposition. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, donc moi je vais faire un très rapide retour en arrière sur cette enquête, parce que l'enquête, elle a commencé il y a bien plus longtemps que pour cette exposition précise. Elle a commencé alors que j'étais un détective privé tout seul dans mon local, le local de Chavannes, qui est le premier local que j'ai dû louer pour cette collection très encombrante. Mais très rapidement, j'ai rencontré d'autres experts de l'histoire de l'informatique. D'abord, professeur Nicou, qu'on vient d'entendre, que j'ai rencontré très rapidement après avoir commencé ma collection. Et puis, de nombreuses personnes qui ont formé, finalement, l'association ABCM, dont je vais encore parler plus tard, parce que l'association ABCM, c'est un groupe de copains, d'abord, mais qui travaille énormément sur les machines pour faire des événements, les visites guidées, etc. Les premiers résultats de l'enquête. Qu'est-ce que c'est les premiers résultats de l'enquête ? Ben, c'est le premier musée Bollo en 2002 qui a été créé grâce au soutien de la faculté informatique et communication et donc de l'EPFL. Donc dans ce local qui est le même qu'aujourd'hui, sauf que ça n'a plus cette allure, vous verrez tout à l'heure. Il y a eu une première rénovation en 2003
à l'occasion du 150e anniversaire de l'école. L'investigation s'intensifie. Oui, parce que donc en 2007, on s'est rendu compte que si on voulait faire des projets de plus grande envergure, il fallait un peu naturellement trouver des fonds. Et donc on a un peu réfléchi comment faire cela et on s'est dit ben on va créer une fondation parce que derrière le musée Bolo, il y a un patrimoine qu'il faut conserver et donc ça valait tout à fait le coup de faire une fondation parce que c'est un but très important. Donc voilà, vous avez ici les 7 fondateurs qui sont presque tous présents, puisque Daniel Mange est souffrant malheureusement, mais il est en pensée avec nous, m'a-t-il dit. Voilà, et puis autrement, donc un exemple d'une photo qu'on a faite au début de la fondation pour illustrer les collections. Ici, un Commodore au forme arrondie, superbe. Alors, l'ordinateur disparaît. Donc ça, c'est l'enquête qui est l'enquête actuelle, hein, celle que vous allez voir les résultats dans le musée Bolo. Pourquoi l'ordinateur disparaît ? Ben, on va d'abord parler de la réduction. Hein. C'est la première piste qu'on a suivie, la réduction, là en bas à gauche. Pourquoi ? Ben, la miniaturisation de l'ordinateur fait que l'ordinateur se réduit et devient de plus en plus petit et finit par disparaître. Là, on comprend bien, pas de problème. Après, la deuxième piste qu'on a suivie, c'est le camouflage. Il est tout petit grâce à la réduction, donc il peut se mettre dans des objets de tous les jours. Ici, j'ai montré par exemple l'objet Nabastag, qui est un petit lapin communicant qu'on peut mettre dans notre salon, qui est bourré d'informatique, mais tout ce qu'on voit, c'est que c'est un lapin. Voilà. Et puis, à côté de ça, on peut parler de l'oubli. L'oubli, c'est quoi ? Ben, c'est que si on a une communication, hein, on peut parler de Skype, par exemple, on a une communication avec une personne à l'autre bout du monde, eh bien, Skype, c'est juste de la vidéo, mais on pourrait imaginer ajouter à cela le toucher, enfin, ajouter plein de choses. Finalement, on oublie qu'il y a un médiateur, qu'il y a un ordinateur, qu'il y a des réseaux entre les deux personnes. La dissolution, qu'est-ce que c'est ? La dissolution, c'est simplement qu'à grâce au réseau Internet, on a des ordinateurs qui sont distribués partout dans le monde. Et lorsqu'on est derrière notre ordinateur, qu'on va utiliser... Par exemple, on a parlé de cloud computing, eh bien, simplement, on ne voit plus qu'est-ce qu'il y a comme puissance derrière. Et on a juste nos petits ordinateurs, mais on a derrière, si on parle aussi de stockage, des téra, des pétaoctets de données. Et l'humanisation, finalement, c'est quoi ? C'est que l'ordinateur se rapproche de l'homme. On peut parler d'intuitivité aussi. Donc, lorsqu'on a la souris, par exemple, la souris, c'est quoi ? C'est un prolongement de la main. Et donc, l'ordinateur se rapproche de l'homme. Et donc, s'il se rapproche de l'homme, on pourrait imaginer que grâce à des implants ou comme ça, eh bien, l'ordinateur s'intègre à l'homme. Naturellement, là, on est un peu dans la science-fiction, mais c'est aussi une manière de disparaître. Voilà, pour la suite, je vous laisserai visiter le musée. Vous verrez que grâce à ces 5 pistes, on a obtenu quelques conclusions. Peut-être pas toutes, il y a encore des questions. Un petit mot sur l'Acora, parce que c'est le scoop d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une enquête dans l'enquête. En même temps qu'on était en train de préparer cette exposition, de faire cette enquête, eh bien, j'ai eu le bonheur de trouver un objet absolument merveilleux dans les caves de l'EPFL. D'abord, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'imaginais que c'était plutôt un périphérique de type disque dur ou comme ça. J'ai ouvert une porte avec Christian, qui était là tout à l'heure, Christian Dufray, on a ouvert une porte, et à l'intérieur, on a vu Cora 1, Contraverse, Zurich. C'était très mystérieux, et donc j'ai fait pas mal de recherches, d'abord sur Internet, ensuite contacté plusieurs personnes, pour finalement rencontrer le concepteur de cette machine qui est avec nous ce soir, Peter Toth. Et il s'agit effectivement d'un ordinateur, même le premier ordinateur suisse à avoir été vendu, qui a été donc conçu et disons finalisé en 1963. Voilà, on voit Peter Toth qui découvre avec beaucoup d'émotion sa machine dans les caves des PFL qui dormait depuis 40 ans. On va vous montrer Monsieur Toth. Stand up.
Well, merci beaucoup. Bonsoir, madame, monsieur. That's all what I can say in French, unfortunately. So I have to continue in English. It is a honor for me to be here, and it is a really a happy reunion with a machine. I have seen it 1964 last times. I think I've installed it at Professor Bachmann's Institute in Apple. I thought it is lost. I didn't know that it exists. And then it was a phone from Mr. Bologna that it is now here in the Apple and will be presented in this museum. It is a honor, not that for me, but for the Swiss industry, which was able to produce at the very early time, at the end of the 50s, beginning of the 60s, a very modern computer for that time. Of course, it is overhauled now. It is no more a powerful computer. But for that time, it was a very advanced machine. Thank you very much. And I am very happy to be here. Thank you. Thank you. Je vais passer à quelques remerciements parce que naturellement, de faire une exposition d'une certaine envergure comme le musée Bolo actuellement, la disparition programmée, ça nécessite quand même un peu d'argent. Donc merci beaucoup à nos sponsors et mécènes. Vous voyez ici tous nos sponsors et mécènes. Merci. Merci naturellement à l'EPFL qui héberge le musée Bolo depuis 10 ans, presque 10 ans. La faculté informatique et communication, comme j'ai dit, c'est l'impulsion de la faculté informatique et communication, en particulier du professeur Roger Hersch, que le musée Bolo a pu voir le jour. Mediacom, communication et médias, qui nous a beaucoup aidés pour cet événement. Domaine immobilier et infrastructure, parce que c'est eux qui nous fournissent les locaux. Le domaine IT, et naturellement toutes les personnes que j'ai peut-être oubliées au sein des PFL. Sur la photo, vous voyez l'arrivée de la Cora pour la nouvelle exposition avec Christian Zuffray et Luc Stolz, concierge de la faculté. Merci aussi aux concepteurs et réalisateurs, bien sûr la Fondation Mémoire Informatique, pour avoir réfléchi, avoir fait cette enquête. L'association ABCM, je l'ai mis là en gras parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait de nettoyage de machines, de préparation de tout ce qui est dynamique dans l'exposition. Vous verrez qu'il y a des parties qui bougent. Ça, c'est l'association pour les visites et pour le travail qu'ils ont fait toutes ces années. Oxide, qui est l'entreprise qui a fait la scénographie, la réalisation. Vous voyez d'ailleurs sur la photo, c'est eux qui sont en train de travailler là-bas au fond. Nos traducteurs aussi, pour la partie anglaise, qui a un petit peu de retard, mais ce n'est pas de leur faute. Merci bien sûr aux donateurs de matériel. Là, je ne parle pas de l'exposition, de cette exposition-là, mais de toutes ces années de collection. Ici, vous avez la liste des principaux donateurs, mais il y en a des centaines d'autres. Et là, une photo du local qui se trouve à l'intérieur de la Jungfrau, au Jungfraujoch, à 3500 mètres d'altitude, où nous sommes allés chercher du matériel, principalement du matériel HP, qui datait des années 70 et même certains fin 60. Merci à tous. J'aimerais dire merci, un grand, grand merci à Marielle Stamm, qui a travaillé vraiment d'arrache-pied pour faire cette exposition, principalement l'écriture des textes, mais aussi beaucoup d'autres choses. On la voit là avec son ordinateur qu'elle a légué à la Fondation. Voilà. Merci aussi à Edouard Forler, qui a été le cofondateur du musée Bolo en 2001, 2002, 2003, qui a beaucoup travaillé à l'époque, et sans lui, je crois que le musée Bolo n'existerait pas. Merci à ma famille qui m'a supporté dans tous les sens du terme ces derniers temps, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et bien sûr, merci à vous tous d'être là. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de monde comme ça. Et merci aux intervenants aussi. One more thing. Je pense que vous connaissez presque tous, en tout cas, cette
petite phrase de Steve Jobs. J'ai mis un petit « Hello Steve » avec un smiley. One more thing, oui, parce que Marielle vous a dit qu'on avait un rebondissement inattendu dans cette enquête. Effectivement, on a une personne, un témoin, qui va vous apporter un nouvel éclairage sur cette disparition. Et j'aimerais que vous accueilliez tous avec moi Daniel Borel. Apporter un éclairage ou autre. Il est vrai que je débarque presque de la Chine et comme j'étais incertain d'être là, je ne me suis pas inscrit au programme, donc je fais pas partie du programme. Et en plus de ça, je suis entre vous et l'apéro, donc je vais être extrêmement bref. Néanmoins, je suis très heureux d'être ici, de féliciter Yves pour sa persévérance, parce que plus d'une fois, il m'a rappelé ce que c'était qu'un musée, parce qu'effectivement, eh bien, pour un entrepreneur, ce n'est pas toujours évident de s'arrêter, c'est le futur qui compte. Et par les leçons de la vie qu'on apprend et qu'on retient, mais c'est toujours ce qu'il y a devant. Et donc, par conséquent, le musée nous laisse parfois, la notion de musée nous laisse parfois quelque chose un peu de songeur. Et puis, qui plus est, peut-être que pour l'entrepreneur, il y a toujours ce rêve d'horreur de se réveiller un matin et de réaliser que son futur est derrière lui. Donc, on n'aime pas forcément trop y penser. Non, moi, j'étais très heureux d'entendre deux personnes qui me sont chères, sans aucun doute Jean-Daniel Nicou, à qui on doit beaucoup, et aussi Niklas Wirth, avec qui on a eu beaucoup de projets Logitech au niveau de la CERS, qui s'appelait à l'époque la Commission d'encouragement de la recherche scientifique, qui s'est renommée la CTI, entre autres des projets de développement de compilateurs Modula 2, parce qu'au début, Logitech est une société de software, Logitech veut dire logiciel technologique. Sur les machines que j'ai eu l'occasion de voir, la Lilith et Modula 2, eh bien, nous avons eu l'occasion de faire des projets en commun avec l'ETH Zurich et le groupe du professeur Wirth, des moments absolument, sans aucun doute, uniques. Alors, j'aimerais, puisqu'on est là à tourner quelques instants vers le passé, à rendre aussi hommage à une personne qui pour nous, Logitech, est extrêmement importante, Jean-Daniel l'a déjà mentionné tout à l'heure, qui est Doug Engelbart. Alors là, on pourrait imaginer qu'il est face à un PC. Non, il n'est pas venu vous présenter un PC. C'était au milieu des années 60. Derrière la paroi, il y a un ordinateur dans une chambre réfrigérée qui doit coûter certainement $1 million ou plus. Mais néanmoins, il y a un écran comme un PC, qui est un tube cathodique, avec un clavier, avec une souris. C'était certainement prémonitoire. Sans aucun doute, un visionnaire qui, comme il était mentionné aussi, a ensuite laissé beaucoup de sa connaissance à Xerox PARC, qui est Palo Alto Research Center, où beaucoup de machines ont été développées pour amener jusqu'au Xerox Star, mais que Xerox n'a jamais réussi à commercialiser, après l'Alto, etc. Et puis, il y a eu effectivement, ce qu'on a parlé beaucoup à l'occasion dans les journaux, l'Apple Lisa, la fille de Steve Jobs, en janvier 1983, qui était le précurseur du Macintosh, et c'est finalement grâce à cette personne-là que beaucoup des concepts qui ont été utilisés, qui sont utilisés aujourd'hui, existent. Mais peut-être juste pour lui rendre vraiment hommage, Doug, que j'ai eu la chance de connaître, parce que c'était un monsieur brillant, mais qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, qu'on a hébergé chez Logitech en Californie entre 1991, 91 et 2007, était un personnage absolument fantastique, merveilleux. Quelqu'un qui en fait avait fait son doctorat à Berkeley, qui avait enseigné un peu à Berkeley et qui finalement avait trouvé qu'il y avait beaucoup plus à apporter à ce monde, et il est retourné dans un laboratoire de recherche qui s'appelle toujours le Stanford Research Institute pour faire ce qu'il avait comme projet dans sa tête. Il était donc marié, père de famille, professeur, il avait tout pour la vie et il fallait qu'il donne quelque chose au monde, et qui est ce concept de la connaissance augmentée, Augmented Knowledge, qu'il a présenté en 1968 à San Francisco par vidéoconférence entre San Francisco et l'ESRI, Stanford Research Institute, qui était effectivement cette notion que l'humanité pourrait résoudre des problèmes beaucoup plus importants si elle se mettait ensemble, d'où la notion de réseau, la notion d'hypertexte qu'il avait effectivement présenté à l'occasion. Donc quelqu'un de très riche qui avait cette vision qu'on a tous aujourd'hui la chance de pouvoir avoir dans notre vie de tous les jours, même si tout n'est parfait sans aucun doute, comme l'a dit
Niklaus Wirth et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Néanmoins, ça a changé beaucoup de choses et je pense qu'on lui doit énormément, même si on le connaît très peu, ce personnage. Il avait finalement sorti un peu de l'ombre, reçu de M. Clinton au milieu des années 90 l'équivalent du prix Nobel américain de technologie. Néanmoins, quelqu'un de très soft-speaking qui un jour m'avait expliqué comment il avait rencontré en 1989, c'était juste en fait avant l'Internet, avant le web plutôt, qu'il avait été rencontré Bill Gates chez lui. Vous savez peut-être tous que Bill Gates était quelqu'un, je pense qu'il l'est encore, de très nerveux. Donc quand vous parlez à Bill Gates, face à face, ça m'est arrivé une ou deux fois, ce personnage se met sur sa chaise et se met à se balancer de manière nerveuse. Et ce vieux monsieur qui était en face de moi me raconte qu'il avait été très reconnaissant à Bill Gates de le recevoir. Et quand il me raconte l'histoire de sa rencontre avec Bill Gates, lui-même, sur son siège en face de moi, se met à imiter ce que Bill Gates avait fait face à lui. Et il a expliqué à Bill Gates, qui, vous le savez, Microsoft à l'époque, son succès, c'était un ordinateur dans chaque endroit, dans chaque maison, chaque bureau, avec un logiciel Microsoft. Et donc, le malheureux Dagenbach est venu lui présenter l'idée que peut-être la notion de réseau, de partage, était le futur. Et après 2h30 de présentation, Bill Gates l'a remercié. Le reste, c'est Netscape qui a inventé l'Internet, comme vous le savez, et the rest is history. Alors, dans un monde où tout change très rapidement, c'est quand même un clin d'œil. On peut passer au slide suivant, je ne sais pas, ça je voudrais savoir l'utiliser. Cette souris qui, effectivement, a été inventée bien avant, non pas en 68, mais en 63, dans un monde où la seule constante est le changement, de rendre hommage à un objet inventé il y a presque un demi-siècle. Dans ce monde technologique, je trouvais que c'était quelque chose qui était très chouette. Alors, je ne suis pas venu là pour vous raconter cette histoire, mais plutôt pour mettre ce soir officiellement à disposition de Yves et du musée Bollo un des exemplaires uniques refaits à la main par ébéniste et autres de cette souris que vous voyez là. Alors, l'original, il a été cassé, mais on a repris cet original, parce qu'on a eu la chance de côtoyer pendant beaucoup d'années Dagenbach. On en a fait un modèle avec les fameux potentiomètres. Et une des choses qui est d'ailleurs la plus chère, c'est le connecteur qu'il a fallu retrouver des débuts des années 60, qui, comme le disait Jean-Daniel, devait se connecter à travers l'interface de 100 000 dollars. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le connecteur était très cher aussi à retrouver, en tout cas. Et donc, d'avoir cette souris donc, pour la mettre à disposition, en exposition et en souvenir. Il n'y avait qu'un bouton à l'époque, hein, qu'un bouton, si vous posez la question. Et je terminerai peut-être juste par cette image que Dag Engelbart avait sur sa porte dans son bureau, qui était pour lui l'interface homme-machine parfait, qu'on cherche encore aujourd'hui à mettre en évidence, pour lequel on se bat. En tout cas, merci de m'avoir accueilli et bonne soirée. Merci. La boîte va. C'est vous, là, sous la main ? Je pense, oui, c'est possible, mais enfin, ça reste un monde très exaltant et très excitant, sans aucun doute. En tout cas, encore merci à tous d'être venus, et là, je vous invite maintenant à passer, enfin, on a un petit peu de retard, à l'apéritif, et pour ceux qui se sont inscrits, je vous les laisse dans les mains expertes des guides de l'association ABCL. Voilà, merci. Bonjour. How are you doing? Good to see you. Good to see you. All the story on Algol, and I've been programming in not PL1 but PLM, as you know, which was a sub little things for years. And I still remember the good time of the Lilith and Modula 2 and all those projects. Yes. And I do appreciate what you said, indeed. I mean, we are going forward fast. And... Merci beaucoup de m'avoir invité.